Please be seated. The court is now back in session. I hand over the floor to the prosecutor to resume his line of questioning. You may proceed. Pour la suite de son interrogatoire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Avant d'en arriver aux deux derniers sujets que je voulais aborder avec vous, Monsieur le témoin, peut-être quelques questions de clarification pour être sûr que j'ai bien compris ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit donc avoir travaillé à Kampong Som, à Shreng Samre, à Takmao et à Tutumpong après le 17 avril 1975. Est-ce que, à ce moment-là, est-ce que vous travailliez, est-ce que vous confirmez que vous étiez bien sous le ministère du Commerce et donc sous l'autorité de Van Riet ou de Tak Riet? Ministry of Commerce and under the authority of Van Riet? Thank you. Merci. Our task was under the supervision of the chief of the office. Du chef du bureau. And Ta was the chief, Ta and he had to report to Ministry Nous of Commerce. Faire rapport au ministère du commerce. Elle devait faire rapport à ce ministère. Très bien. Alors je reviens un instant à l'arrestation de Chi. Let us revisit the issue of the arrest of Chi. Au véhicule dont on a parlé plus tôt. Et je voudrais lire the vehicle you refer to la réponse que vous earlier. Aviez donnée au juge d'instruction, ou en tout cas aux enquêteurs, OCIJ dans le document E3-363. En Khmer, c'est à la page 0023-6034. En français et en anglais, c'est à la page 5. In French and English, et voilà ce que vous aviez dit. And this is what you stated. Je cite. J'ai vu de mes propres yeux l'arrestation du camarade Chir, secrétaire du grand-père Niem. À ce moment-là, les ouvriers travaillaient, alors que Niri Ta, chef du bureau, est venu convoquer Chir. J'ai vu camarade Chir suivre Niri Ta jusqu'à une jeep à Bash, où Chir a été braqué d'un fusil sur le cou et poussé dans la voiture. Le véhicule avait une plaque d'immatriculation de couleur rouge avec comme inscription M870. Fin de citation. Tout à l'heure, vous aviez dit que vous n'aviez pas vu de plaque. Est-ce que vous pourriez m'éclairer là-dessus? Est-ce que le véhicule qui a transporté Chir avait cette inscription M870 ou pas? The President, witness, please hold on. Le président, National Counsel for Mr. Kyo Sampon is on his feet. You may proceed, Counsel. Counsel Kung Sumon. Thank you, Mr. President. I would like to object to this question for the reason that the question is leading. Mr. Prosecutor is leading this witness. To my record, the witness already testified at time marker at around 2:13. He said that he saw the license plate M870 in red. And then the prosecutor raised another issue concerning M870, which was a new issue, and he is leading this witness in question. Thank you. Il s'agit donc d'une question orientée.
Je vous avoue, Monsieur le Président, que je n'ai pas du tout compris cette objection. J'ai cité une déclaration de Monsieur le témoin devant les juges d'instruction et je l'ai confronté à ce qu'il a dit tout à l'heure pour être sûr de clarifier les choses et qu'il n'y ait pas de confusion qui soit due, par exemple, à une interprétation ou autre chose. Le témoin est libre de nous dire s'il l'a vu ou s'il ne l'a pas vu. Donc, je ne vois pas en quoi cette objection serait pertinente. Can tell us whether he saw that number plate or not. It's not an issue of interpretation here. The international counsel for Mr. Kyo Sampon, you may proceed. Oui, merci, Monsieur le Président. Yes, thank you, Mr. President. Moi, j'avais aussi l'objection à faire, pas la même que mon confrère national, mais une objection qui consiste à constater que le rappel fait par Monsieur le Procureur n'est pas tout à fait honnête, puisque nous savons que Monsieur le témoin a été entendu deux fois par les enquêteurs du tribunal, que la première fois, il avait dit n'avoir rien vu de cette plaque, et la deuxième fois, il a donné les indications qui ont été rappelées par le procureur. Donc, peut-être, pour être complet, est-ce que si l'on rafraîchit la mémoire du témoin, on peut au moins lui rappeler les deux dépositions qu'il a faites devant les enquêteurs du procureur, qui semblent être contradictoires, parce que sinon on va perdre un temps fou. Et puis pour ce qui concerne l'objection de mon confrère, là aussi je dois dire, je dois reconnaître, je n'ai pas bien compris. Peut-être qu'il y a un problème de traduction dans ce qui nous a été dit en français à propos de la déclaration de ce monsieur tout à l'heure à la barre, parce que je ne comprends pas donc. The President. This is my observation. The witness said concerning the trucks that came to pick up people from Kultumpung, he said that he saw this vehicle bearing the license plate M870. And in his previous record of interview, he made reference to MH70, and the prosecutor failed to ask for the clarification on the differences on these two issues. Sur la différence entre ces deux questions. This leads to the question, and I think that the statement posée in Khmer is en Khmer, clear. C'était clair. Eh bien, Monsieur le Président, c'est très bien. Si il l'a dit en Khmer que c'était bien une plaque M870, ça me convient parfaitement. En français, nous n'avions pas reçu cette traduction-là, cette partie de la phrase. Et donc, je vais poursuivre avec d'autres questions, Monsieur le Président. Nous vérifierons lors des transcriptions. Vous avez dit tout à l'heure, Monsieur le témoin, que Kyo Sampan était venu à Kultumpung visiter les ateliers en 1978, et vous avez parlé également, par ailleurs, d'arrestations. Est-ce que les arrestations qui ont eu lieu à Kultumpung ont-elles eu lieu avant la venue de Kyo Sampan, ou est-ce que certaines arrestations ont eu lieu également après sa venue, juste pour situer les choses dans le temps. I just want you to situate those events in time. Ba, sôm ơn quân. Tôi mai nhom đôi vợ. Thank you. Merci. I'm afraid I am a bit lost on this point. I need some time to think over it again. Pour y réfléchir. The arrest of Comrade Chir took place before the visit of Mr. Kyo Sampon. Avant la visite de Monsieur Kyo Sampon. Très bien. Alors, une autre question de clarification. Tout à l'heure, vous avez dit que lors de la visite de Kyo Sampan, Van Riet était présent, l'accompagnait et qu'il avait la tête basse. Alors, je ne suis pas Khmer, je ne suis pas Cambodgien, donc
Est-ce que vous pourriez préciser ce que vous vouliez dire par avoir la tête basse? Qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte-là? He lowered his head. Thank you. Merci. According to my knowledge, the gesture of bowing head in front of somebody else was the show of respect for somebody c'est une marque more de senior. Pour une personne qui occupe un rang plus élevé. Merci. Alors j'en viens à Thank you, Ben. Un autre sujet, c'est la réunion dans laquelle vous avez dit avoir participé avec Kyo Sampan au début de l'année 1979. Vous avez parlé de cette réunion à plusieurs reprises lors de votre entretien avec le Centre de documentation du Cambodge en 2003. Cambodian Documentation Center in 2003. Est-ce que vous pourriez nous dire qui participait à cette réunion who attended le début janvier 1979 avec Kyo Sampan et à quel endroit meeting was held? I apologize. I do not recall. Mais je ne m'en souviens pas. Je vais peut-être, puisqu'il me reste peu de temps, vous rafraîchir la mémoire en lisant un extrait de cet entretien avec le Centre de documentation du Cambodge qui porte la référence IS-19.177. En anglais, c'est aux pages 37 et 38. Et en Khmer, 000. The ERN is 000. 55251. 000 55251. Et encore une fois, c'est un passage que je vais lire en anglais, Monsieur le Président. This is a passage that I will read in English, Mr. President. Et donc, c'est ce que vous dites, Monsieur le Témoin, lors de cette interview. This is what you state during quote, that interview, witness, and I quote. The 5th of January 1979, foreigners were evacuated from Kampong Cham and were sent by boat to Kampong Som. I came to a meeting in the morning at Borei Kela. I saw Kyo Sampan with my own eyes. I was surprised when I heard him speaking like that. De l'entendre parler ainsi. And a little further down, un peu plus bas, you speak about Kyo Sampan, and you say, Kyo Sampan said, vous dites ceci, even if there is fighting or bombarding in Akreiksat, we as squad team leaders, commanders of platoons and companies, have to dig trenches and reinforce our forces. We cannot just run away from our stations. We cannot be discouraged. Notre poste, nous ne pouvons pas nous laisser décourager. And a little further down, yes, bas, at the stadium, oui, only the heads stade, of units or battalions were invited to the meeting. Regular people were not invited. Les gens ordinaires the purpose of the meeting was to inform each of them about the situation. After that meeting, réunion, we attended another meeting at the ministry. The heads of the ministries were preparing to dig trenches. End of quote. Fin de citation. Monsieur le témoin, confirmez-vous avoir assisté Witness, à une réunion do you confirm avec Kyo Sampan à Borei Kela au début janvier 1979, juste avant que les Vietnamiens prennent Phnom Penh? Shortly before the Vietnamese captured Phnom Penh. Thank you. Merci. I try to follow your question. J'ai essayé
de suivre votre question. Indeed, Mr. Kusampon. Effectivement. Convened. Monsieur Kusampon. A meeting. A convoqué une réunion. And then a day afterwards, Vietnam et forces le lendemain, entered. Les forces vietnamiennes sont entrées. À part vous dire de creuser des tranchées, est-ce que ce jour-là, Kusampan a parlé d'autres choses? Est-ce qu'il a parlé, par exemple, de retrait devant, de retrait temporaire devant l'avancée des Vietnamiens? For instance, did he talk about a temporary retreat in the face of the advancing Vietnamese troops? Mr. Kusampon did advise us to dig trenches, and he wanted all of us to strengthen our spirit to fight back, and everyone should reinforce their forces. De combat pour riposter, et il a dit que chacun devait développer ses forces. Est-ce qu'à cette réunion il y avait seulement des gens du ministère du Commerce ou y avait-il également members des of the cadres Ministry d'autres ministères of Commerce ou who de l'armée that meeting, qui étaient présents? Officials of other ministries and the military who attended it. On this point, I apologize. I do not recollect the attendees of the meeting. I did not know where the attendee came from. Je ne savais pas d'où venaient ces participants. Monsieur le témoin, est-ce que vous connaissez quelqu'un Witness. Du ministère du Commerce Do you know someone from the qui a travaillé Ministry à Cheng Samre qui s'appelait Huo Sui? Huo Sui. Pardon, je vais mieux prononcer. Huo Sui. I did not pronounce it correctly. It is Huo Sui. Et puis S-U-Y. Ou alternativement R-U-O-H. S-U-Y. Attention des interprètes en Khmer. Why? This is for the Khmer interpreters. Not called there, but. No, I don't know this person. Je ne connais pas cette personne. Dernière question sur ce sujet. Est-ce Last que vous avez entendu Kusampan ce jour-là, Did si vous vous en souvenez, parler des ennemis externes ou internes the au pays? Enemies, internal or external enemies of the country at that occasion, on that occasion? No, I do not recall him saying that because it has been quite a long time. I have forgotten most of it. Non, je ne m'en souviens pas. Je n'ai pas souvenir qu'il ait parlé de cela. Cela remonte à bien longtemps et j'ai oublié la plupart de ces choses. Merci. Dernier sujet, monsieur Thank le témoin, you. Last line of questioning, witness. Les réunions ou les rencontres avec Nunchia. Combien de fois avez-vous personnellement assisté à des célébrations How many times ou des sessions d'études où Nunchia était présent? Events Une, deux or fois study sessions ou plus. At which Nunchia was present one time, twice or more. I do not recollect. Je ne m'en souviens pas. D'accord, mais est-ce que vous vous souvenez l'avoir vu Very à well. Des réunions But do you recall de grande importance sous le Kampuchea démocratique? Major events during the democratic Kampuchea era. No, I never met him. Je ne l'ai jamais rencontré. Merci, monsieur le témoin.
J'en ai terminé avec mes questions. Et je voudrais vous remercier d'être venu d'avoir participé à la manifestation La Vérité. Merci, Monsieur le Président. To bring the truth to light. Thank you, Mr. President. The President. Le Président. Thank you. Next, merci. I hand over the floor to the lead co-lawyer for the civil party to put the question to the witness. You may proceed. Je vous en prie. Counsel Maître Bigpong. Bigpong. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur Madame Chet Van Lee will Maître be the Chet delegated lawyer to put the question to the witness, and Madame Martineau was also. Ensuite, will also be putting questions to the witness. The President, yes, you may proceed. Counsel Chet Van Lee, thank you, Mr. President. My respect to Mr. Merci, President, Monsieur your Président. Honours, and everyone in and around Bonjour the courtroom. My name is Chet Van Lee. I am the defense, the lawyer for the civil party. Good afternoon, Mr. Witness. Just bon now, you have testified in court by responding to several lines of questioning by the prosecutor. And I have some additional questions to put to you so that you can shed light for the chamber. I would like to refer to document E3/472 and E3/363, which were the written of records of interview, and document IS 19.177 by the DC CAM. Based on these documents, the prosecutor have already given to you, and I would like to ask for clarification on a few points relating to the event that you witnessed or you experienced by yourself during the period of the Democratic Cambodia. You told the co-prosecutor earlier on that you used to work in Kampong Saum, so I would like to ask you to expand on that. What year was it when you were sent to work in Kampong Saum? Avez-vous été envoyé travailler à Kampong Saum? Response. Réponse. From July 1975 until July 1976. It was a 1 year period, and I was transferred back to Phnom Penh. Question. Over there, you work as a worker, as a laborer. You carry goods from the ships. You unloaded or uploaded goods to the ship. What event did you encounter when you were working over there? Qu'avez-vous constaté là-bas? Response. When I was working as a laborer in Kampong Saum port, quand j'ai travaillé dans le port, I actually work at the dry port. It was some 7 kilometers away from the seaport, and they use truck to carry goods. We early on the early days we work in the ship, but later on those who were sent from the southwest zone were taken away, so we had to move in. So the southwest group were transferred to work in the ship, and for us from the north zone, we were transferred to work in the dry port, and our work was mainly carrying goods. Question. At the dry port over there, what did you witness? For example, the disappearance of workers, the deaths of workers, your co-workers over there. Disparaître ou mourir? The President, please hold on. Make sure that you see the red light Monsieur on your témoin, mic. Attendez que le voyant du micro s'allume pour répondre. Response. My apology, Mr. Excusez-moi, President. Monsieur le I failed to observe it. When I was working at that warehouse, for the sake of clarity, laissez-moi préciser.
When I first got there, quand je suis arrivé à it was about for the first month when one of the ship docked at the pier over there, and one day there was an aerial bombardment in that area. It did not hit the ship, but it destroyed the warehouse. This warehouse was burned down. It was all on fire. The American air raid bombarded on that warehouse, and it was completely destroyed. Tons of goods were destroyed. Et des milliers de marchandises ont ainsi été détruites. Question. Des tonnes de marchandises in that bombardment incident you described, were there any casualty and y a-t-il eu des victimes? How destructive was this bombardment? Could you please elaborate further. Ces bombardements ont-ils fait? Response. Réponse. When I first got there, I was not assigned a specific task. Actually, je ne me suis pas vu confié de that tâche précise. Warehouse was empty. Cet actually, only the warehouse were destroyed. As for the goods, it was still in the ship. It was not actually unloaded and stored at that warehouse yet. Question. In your record of interview, IS 19.177, English EAN 00679705 and 2007. It is not available in French. You said when you got to an alarm, you got lost over there, and then you met a lady who was selling in a foreign counter. At that time, they were not very open when they talked to you. So I would like to ask you to clarify the place where you met the lady. You said that you met in a foreign market. What did they sell over there? Was it a marketplace or was it any particular place? Can you enlighten it? Response. I failed to clarify on this point. I apologize to the court if I miss out any points of detail because it has been so many years. When we were transferred back from Kampong Saum, we were not sent directly to Chang Chum Reh. We stayed temporarily at an Alam Pagoda. We had to prepare our staff in Sa Thmey, and then on the way back to an Alam from Sa Thmey, we got lost. I did not know where I should be staying, so I went back and forth. That was the situation back then. Question. Can you tell us about the market, the secret market? What kind of market was it? Or was it a market meant only for foreigners? Était-ce un marché destiné seulement aux étrangers? Answer. Réponse. I actually went to ask for a girl who was a seller there, and je she told me that we could not get in through there because it was a secret place, une fille qui selling vendait des choses là-bas. Food or m'a other dit things que for je ne pouvais foreigners. Pas y aller car c'est un endroit secret où l'on vendait la nourriture pour les étrangers. Question. Can you tell us about the purchase by foreigners? Was currency used at the time? Est-ce que les étrangers utilisaient de la monnaie pour faire leurs achats? Answer. I could not know about that. Réponse. Je n'en savais I only rien. Heard what I was told by that woman. J'ai juste entendu because I did not go in through there. Je n'y suis pas allé. Je ne suis pas entré. Nhâm chlong chô tới sùm nuôi tiết.
nơi vua tua tập bùng ông bánh máy lúc ban bên chia nơi you worked for a while in the Tutankhamun pagoda dans la pagode and in document E3/472 E3/0017062 7 and in English 0020503 1 and in French 0020503 5 you stated that Darat was in charge of the Commerce Department. He ordered for the destruction of the statue in the Tutankhamun pagoda. My question to you is why was order made for the destruction of the Buddha statues and what happens to the monks there? Pourquoi on a détruit les statues? Et qu'est-il arrivé aux moines? Answer. At that time. Réponse. There was no monks at all throughout the regime. Non, mais il n'y avait pas and de moines. Buddha statues at all the pagodas were ordered to be destroyed. Ou plutôt, l'ordre a été donné de détruire les statues du Bouddha dans les pagodes. Elles ont toutes été détruites. There was a temple there, and then il y avait un temple. They would say that there is no need to use a labor force to destroy the temple. They would use some monks in order to destroy the temple. On n'avait pas besoin d'utiliser pour détruire le temple, mais qu'on utiliserait the remnants from the temple will be used for road construction. There was no monks at all at the time. Roche, enfin, ce qui restait de ces temples détruits pour construire les routes. Il n'y avait pas de moines du tout. All the goods and equipment that you prepared, and you were screening the cotton product. Where did you store the cotton product? Vous avez dit que vous aviez purifié le coton. Où stockiez-vous le coton? Around the pagoda area. Était-ce dans un entrepôt près de la pagode? Answer. Regarding the réponse. Cotton. Oui, à propos du coton. Cotton seeds that needs to be processed through the machine. Il faut faire passer le coton dans les machines. In order to produce the bales of cotton, and there were three kinds of cottons, and for the cotton product. They would be placed into big sacks, et ensuite mis dans des sacs. And then they would be sent to Takmar. In Takmar, there was a machine that would compress the cotton and make them into ready product for export. Prêt à être exporté. Question. You stated before the court as well that you met Kyu Sompon, who came to inspect the screening of cotton products for export. Les produits de coton. That was the first time that you met him. Did you meet him at any other location subsequently? Vu ailleurs par la suite. Answer. When he came, he did not stay there for long. He kept walking, quand il est venu, and one was following him behind. That was the first time, and I met him the second time, as I stated earlier. Ou plutôt, c'était la deuxième fois que je le voyais, comme j'ai dit plus tôt. Question. What about the fifth in 1979? Did you see Kyu Sompon on the ammo vehicle fleeing Phnom Penh? 19. Avez-vous vu Kyu Sompon fuir Phnom Penh sur à bord d'un véhicule blindé? Answer: no, I did not. Réponse: non. I did not know when he fled or from which direction he fled. Je ne sais pas quand il est parti ou quelle direction il a emprunté. Question: you also stated before this court that you saw a number of times of the arrest, namely at Kampong Saum and in the Tutankhamun Pagoda. À Kampong Saum et can you tell us who
issued orders for the arrest. Qui a donné l'ordre que l'on and you also said that you saw the vehicle with the plate of M70 or M870 with the seal avec unclear. De M870 tell ou M870, ce n'était pas where those pas vehicles clair. Came from. D'où venaient ces véhicules? Answer. Réponse. I think there is a mistake in the recording of the statement. Je pense qu'il y a méprise. I never knew about the M870. Je ne savais rien. I only knew from my glance at the plate number that is M70, and I did not know where the vehicle came from. Thank you. Due to my limited time, que la plaque M870, je ne savais pas d'où venaient les véhicules. Questions. Maître Chedwin, merci pour cette réponse. Question. Je n'ai plus beaucoup de temps, je vais donc vous poser quelques questions supplémentaires. That you met and who was the Khmer Rouge leader? Did you meet any other Khmer Rouge leaders? Answer. As for Khoi Truon, allow me to clarify, I only heard of his name. I never saw him in person. I heard of his name during the meeting that he was Khoi Truon, alias Lors de la réunion, on avait dit que c'était Khoi Truon, alias and Thuit. He was the chief of the Northern Zone, but I never saw him in person. Question. This is my last question in your question. Written record interview with DC Cam, that is IS-19.177, EN-0055-269, and in English, 0067-9695. You states that while you were in Phnom Penh, you came for meetings and you knew some servers from the Defense Ministry, Nguyen Chi from the National Assembly, Isari from the Foreign Affairs, Jung Chun from the Health Ministry, and Hunam from the Propaganda, and John was with Hunam and Kyu Sang-Pon. Can you tell us where the meeting was held and who actually participated in that meeting? Answer. Réponse. The meetings that was held on the 10th, the 20th, and the 30th of each month was held in the ministry, and it was chaired by Van Rett, who was the chief of commerce, and it was held near the Tumpung area. Cela avait lieu près de Tuol Tumpung. It was a general meeting for the whole ministry, and all the laborers had to attend that meeting. Question. What were the usual contents of that meeting? Et de quoi parlait-on lors de cette réunion? Answer. I cannot recall all the contents, however, there were instructions and the reasons dont on a discuté. Il y avait des instructions qui provenaient des dirigeants. Regarding their angst against the previous regime, but I cannot recall all the details of the content. Je me souviens pas de tout. Question. For each meeting, did they raise the political party lines or the enemy situation or the purchase of the internal and external rank enemy? Des purges des ennemis à l'intérieur et l'extérieur du rang. Answer, as I stated réponse. From the outset, comme je l'ai dit, they raised the same début, issues. Ils parlaient des mêmes questions. If a spoon is broken, it means that there is an enemy infiltrated within, and that we have to research out that enemy, and we have to débusquer cet ennemi
for the party so that the revolution can move forward. They talked much more than that, but I cannot recall. And that was the theme of their propaganda. Je ne me souviens pas. C'était leur propagande. And that we did not engage in the actual rice field, but we have sufficient food to eat. So for those who actually worked in the rice field, we would have more. À manger, and that made et les gens us dans les happy rizières, on aurait plus, to et, hear it. Nous étions heureux de le savoir. But in fact, the situation was in the opposite, c'était and l'opposite. All the relatives suffered. Et tous les membres de la famille ont souffert. Question. Question. Was that kind of meeting held frequently? How many times per month? Ce genre de réunion avait-elle lieu fréquemment? Answer. Quelle était la fréquence de ces réunions? As I stated already, there were three meetings that were held each month. Par mois. That was a general meeting that everybody had to attend. À laquelle tout le monde devait participer. Three times per month. Et c'était trois fois par mois. Question. Question. Regarding this point, who actually participated in the meeting? Qui a participé aux réunions? Le président? President, witness, please wait until the microphone is activated. Le voyant rouge s'allume. Witness. You keep raising the same question. Et vous me posez toujours la même question. I already told. J'ai déjà about dit. That. Ce qu'il en était. The meeting was held, and those who were the chief of the office or the department would attend a meeting together with the laborers. De service et de département participaient à la réunion avec les autres ouvriers. Testimony for this court and due merci to the time limit, I now conclude my question. Je mettrai fin ici à mon interrogatoire. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Madame, Messieurs les juges, bonjour à tout le monde, bonjour Monsieur. Je vais vous poser quelques petites questions, vous en avez déjà répondu à beaucoup. Ce sont plutôt des questions de détail. Tout d'abord, vous étiez soldat et on vous transfère à Compensum. Then you were transferred to Kompong et vous devenez Somme, ouvrier. And you became a laborer. Est-ce que vous avez contesté cette nouvelle affectation ou est-ce que, je n'ai peut-être pas très bien compris, vous allez me dire que vous l'avez déjà dit, est-ce qu'il y avait toujours un lien avec l'armée quand vous étiez à Kompong Somme, puis quand vous êtes revenu à Phnom Penh? You were in Kompong Somme and then when you came back to Phnom Penh. Allow me to clarify. In short, permettez-moi after the liberation in 1975, après la libération and when I returned 1975, to Kompong Somme, I was no longer a soldier. I had nothing soldat. To do with the military, and I became solely l'armée. A laborer. J'étais ouvrier. Merci de cette précision, c'est peut-être moi qui avais mal thank you suivi, for helping me with that. Perhaps mais c'est I important. Following, but it's an important point. Quand vous êtes à Kompong Somme, vous avez dit et redit que vous étiez donc, vous chargiez, déchargez les bateaux. Est-ce que vous pouvez nous dire quels étaient les produits qui étaient exportés, c'est-à-dire des produits qui venaient du Cambodge, qui étaient envoyés sur des bateaux étrangers. Donc, est-ce que vous avez une idée de ce que vous mettiez dans les bateaux? Do you have an idea of what products you were loading onto these boats for export? For exports, there would be pour l'exportation, rice, il y avait and du riz equipment, décortiqué as I stated, et d'autres earlier. Matériels, comme je l'ai déjà dit. For example, spade, par exemple, il y avait des sprayed
all kinds of insecticides, toutes sortes de types d'insecticides. And the vehicle, as I stated earlier, that's for import rather. Ça, c'était l'importation. But for export, when I was there, l'exportation, quand what j'y I était, saw and what I carried et j'ai transporté onto the train or onto sur a ship, les trains ou sur le bateau, including the rubber, il y avait du raw rubber, cotton brut, product, des produits de coton, and number one husk rice. And beans. Du riz non décortiqué et des fèves. They were for export. Ça, c'était but of course, we did not know the actual price of those products as there was no currency dues in the regime. Sous le régime, il n'y avait aucune monnaie en circulation. Vous n'avez jamais transporté d'animaux vers ces bateaux? Animals. Put them in the boats. Laborers were used for carrying goods. C'était les ouvriers qui transportaient les biens. There were also machines. Il y avait aussi des machines that would be used to lift those goods. Pour for rubber, raw rubber, the crepe rubber, exemple, in a weight of 30, 40 or 50 kilos maximum, les then we would carry it on our shoulder kilos, and then we would épaules, load it onto the ship. Et on les mettait à bord des bateaux. Je vais passer à une autre question. Lorsqu'on vous a transféré à Phnom Penh de Kampong Som, transferred back to Phnom Penh from Kampong Som. Enfin, ma question est celle-ci. Vous a-t-on donné des explications précises de pourquoi vous et quelques autres personnes étiez transférés à Phnom Penh? Were being sent to Phnom Penh. Ma, I did not know the reason, but our group was split into two. Notre groupe était divisé en deux. There were about 500 or 600 of us in the battalion. Nous étions 5 and ou 600 so 200 of us out of the battalion was sent. I did not know the reason. Été maybe été they needed a laborer. Je ne sais pas pourquoi ils avaient besoin d'ouvriers. On ne vous a jamais donné donc de précision. Une fois arrivé à Phnom Penh, vous nous avez expliqué très précisément le parcours que vous avez fait. Vous avez fait différentes haltes, si je puis dire, et en particulier au kilomètre 6 et à Kuol Pong. Je prononce très mal. En dehors de des membres de votre bataillon, de gens qui étaient avec apart vous, y avait-il d'autres ouvriers qui travaillaient dans ces entrepôts ou dans ces usines? Ministry of Commerce. Moi, je n'étais au courant que du ministère des Commerce. Mais il y avait aussi des ouvriers overseas, but I only knew about what happened within my section. Je n'étais au courant de ce qui se passait à l'intérieur de ma section. Est-ce qu'au cours de votre carrière d'ouvrier, vous avez côtoyé des enfants qui travaillaient? Did you ever come across children who were working? At my workplace in Totumpung or other workplaces where I worked. D'autres endroits où j'ai travaillé.
there were no children studying around. Children would be placed into a childcare center elsewhere where we would not know. Only adults were within our work group. À notre milieu de travail, il n'y avait que des adultes. Dans je suis désolée, mais je ne retrouve plus. Il semblerait que vous ayez dit qu'il y avait des garçons qui avaient 12, 13 ans. Je ne retrouve plus la référence. Je crois que c'est dans le document 1977. À la page 23-24, qui est en anglais. Et en Khmer, c'est 000, 55, 238 et 239. Et vous dites, il y avait des jeunes de 12, 13 ans. Et on vous demande s'ils étaient obligés de travailler. Et vous dites, ils étaient obligés de travailler comme les adultes. Alors, je ne sais pas si c'était à Phnom Penh ou si c'était à Kampong Som. Ce n'est pas très clair dans ce que vous dites. Mais il semblerait que vous ayez vu, d'après ce que vous dites, des enfants travailler. The 12 to 13 year children, there were a group of these children while I worked at Takmal. And they were the children of the former workers, that is, the workers of the former Lonal regime. Because at that time, the mothers were placed in a separate group, and the children were used at that time. On a utilisé les enfants à ce moment-là. And for us, the new laborers, we did not know the organization of the existing workforce in that cotton factory. L'organisation du travail dans cette usine de coton. Merci. Thank you. Il semblerait, monsieur, que vous vous soyez marié dans les années vers le mois de mai, juin 1976. Vous pouvez nous dire dans quelles circonstances, si c'était un mariage, un choix de votre part, ou si c'était un choix de l'Ankar? To which you freely consented, or was the choice made by Ankar? President, witness, please wait. Counsel Victor Coupé, you may proceed. La parole est à Maître Victor. Thank you, President. Merci, Monsieur le Président. Maybe my learned friend on the other side could explain why this question on his marriage falls within the scope of this present trial. It's not about communication, it's not about structure. Actuel. It's not about forced transfer. Ce n'est pas les communications, ce n'est pas les structures militaires, ce n'est pas tout le portrait, des évacuations forcées. I don't know, but it's certainly not within the realm of this mariage present forcé, trial. Peut-être, mais ce n'est pas dans la portée du procès actuel. Monsieur le Président, si vous permettez, je vais répondre à mon confrère. Le mariage forcé fait partie des cinq politiques. C'est une question subsidiaire, mais qui est importante. Monsieur Simrao en a parlé. Je lui pose la question. Il peut répondre. Je pense que c'est un type de question qui a été posée à plusieurs témoins et qui rentre tout à fait dans les politiques qui sont l'objet de ce procès. Within the framework of the policies that are covered in this trial. President, witness, you are not you are instructed not to respond to the last question put to you by the assigned lawyer for civil parties.
because that question is not related to the facts being put before us regarding case 002/01. Alors je vous poserai une dernière question, monsieur. A final question to the witness. Vous avez dit cet après-midi, je crois, told us this afternoon, I believe, qu'il fallait faire semblant de ne rien voir. You had to et que feign vous étiez, vous, personnellement, et sans doute d'autres and de vos collègues, you, no doubt others toujours among dans la peur. Co-workers d'être arrêté. Were always afraid est-ce que vous of pouvez being arrested? Expliquer can you qu'est-ce qui explain? Pouvait d'abord qu'est-ce qui vous empêchait de voir, c'est-à-dire what pourquoi vous ne vouliez pas voir, why you didn't want to see things, et pourquoi et qui vous faisait peur, who d'où venait cette peur afraid of? What was the reason for the fear? President, a witness is with counsel for Kyu Sampon. You may proceed. La parole est au la défense de Kyu Sampon. Kong Sam-an, thank you, Mr. President. From what I heard in a question by the assigned counsel for civil parties, j'ai entendu la question it seems that he is de l'avocate. Referencing to a document that is placed before this court. Document. If there is a case, please specify the ID of that le document. Cas échéant, veuillez donner thank la cote. Je vous remercie. Non, je ne fais pas référence à un document. No, Monsieur Simrao a tout à l'heure dit, alors je ne peux pas vous donner les références, vous l'avez entendu comme moi, qu'il fallait faire semblant de ne rien voir. Il l'a dit, je l'ai entendu, je l'ai noté d'ailleurs, et cela induit une question qui est, si vous faites semblant de ne rien voir, pourquoi et quelle crainte aviez-vous de voir? Voilà ma question, si vous voulez des précisions. President, witness, you are now instructed to respond to the question put to you by the assigned lawyer for civil parties. La question de witness. Le témoin. The reason that we did not dare to ask or that we pretended to be blind is that in that regime we could not make any protest. C'est que sous le régime, and il the arrest were made son subsequently and continuously. Il y avait des arrestations. And of course we were always afraid. Et nous avions toujours peur. Merci, Monsieur Simrao. Je n'ai plus de questions thank à vous poser. You, merci, Mr. Monsieur Simrao. I have no further questions to put to you, and thank you, Mr. President. President, thank you, and le thank président. You, witness. Merci. Et merci, Monsieur le témoin. The time is appropriate for the adjournment, and before we adjourn, le moment we est would important like to pour inform parties to the proceeding that avant de se faire, for the souhaite informer les parties de ce qui following proceedings and the proceeding for tomorrow has rescheduled a little bit. Nous avons changé un peu le calendrier in the scheduling de that we notified the parties nous that avions prévu the les parties que la conférence is de mise en scheduled état for the était afternoon, pour tomorrow afternoon. L'après-midi. However, as this demain. Witness continues to testify, and that the mais duty counsel cannot participate in a tomorrow morning session, doit poursuivre sa déposition, mais que son avocat n'est pas disponible demain matin, the testimony of this witness will be for the afternoon session. And for that reason, the TMM will be shifted donc, to the morning session. Aura lieu demain matin.
and the continue hearing of the testimony of this witness will be started at 1:30. Nous entendrons le and as for the hearing of the remaining witnesses, will be shifted accordingly. That is for the two witnesses. Des deux témoins and qui we entendre. Plan to hear their testimonies nous next week. As for TCW, leur déposition la semaine prochaine. 384 on Monday and then 801 is on the subsequent day. 801 le lendemain. And we like to inquire with the accused for TMM tomorrow morning whether the accused wish to participate. L'accusé souhaite-t-il les accusés souhaitent-ils participer à la conférence de mise en état de demain? To participate or not. De participer ou non. What? Kyusampon, Mr. President. I would like to seek your leave to rest during this time. President, thank you. Thank you for your confirmation. Merci de nous and we will decide so. Confirmer votre position. What about the counsel for Nunchia? Qu'en est-il de la défense de Nunchia? Maybe get back to this tomorrow morning early, because we don't know. Peut-être demain matin, if pour nous vous dire, nous ne savons pas en fait s'il souhaite participer ou non à la conférence de mise en place. Maybe he wants, I don't know. Peut-être que oui, mais nous ne savons. Le président. President, we would like to get the confirmation now, because if he wishes to participate, then he will be brought in through the holding cell downstairs tomorrow morning. Demain matin. He doesn't want. Maître Coppe, il ne veut pas. President, thank you for your confirmation. Le président. The hearing merci today pour cette has confirmation. Come through an adjournment and ceci we will adjourn à l'audience now. D'aujourd'hui. And we will resume la tomorrow morning that is Thursday. Demain matin. And for tomorrow morning session, we will have a trial management meeting and for the afternoon session we will continue to hear the testimony of this witness somehow who will be questioned by the defense teams par les équipes de défense. From the Kyusampon defense teams first. En commençant this information par is de for all parties, the support staff ces and the general public. Parties, Mr. Somehow, the hearing of your testimony has public. Not yet concluded, and we will hear your testimony tomorrow elle se poursuivra demain once more, and you are therefore invited après-midi. To return to this courtroom commencing at 1:30. À partir de court 13h30. Officer, could you assist this witness in collaboration with Bisou for his return to his residence and have him return to this courtroom. Pour que ce témoin puisse rentrer chez lui
et revenir dans le prétoire for tomorrow demain afternoon at 1:30 à 13h30. And Mom Rati, the duty counsel, she also invited to participate at the same time. Security guards, you started to recuse Nodier Kitsampon back to the detention facility and have them return to the courtroom for tomorrow afternoon session at 1:30. And as usual, Nunchi shall be brought through the holding cell downstairs, which is equipped with audiovisual means for him to follow the proceeding remotely. The court is now adjourned. L'audience est levée.